Caporta, du grico cau et porte, contraction linguistique de porte sud, est située près du château et elle représente l'un des accès au centre historique qui, avec les murs, protégeait les châteaux d'éventuelles attaques extérieures. La caporta, simple dans sa structure architecturale, est affinée par une corniche et sur sa partie supérieure par les hauts-reliefs de deux figures qui soutiennent sur les côtés le blason civique et héraldique de Giovanni Battista de Monti. Ah non, autrefois, c'était bien lisible l'inscription « Invidia in opia fa » qui invitait les visiteurs à ne pas avoir envie de ce que l'enceinte murale englobe encore aujourd'hui à l'intérieur.